votre réseau social, vous êtes plus, au lieu d'être une source de revenus pour vous, ça va devenir plus une énergie. Comme ma grande sœur l'a déjà dit, aujourd'hui nous avons plein de réseaux sociaux et ces réseaux sociaux sont incontournables de tout ce que nous voulons faire. Mais moi j'ai l'habitude de dire, dans un premier temps, il faut connaître ces réseaux sociaux, connaître leur utilisation avant de s'engager. Par exemple, on ne va pas sur Facebook parce que les chansons sur Facebook, moi si je veux faire des amis. C'est tout un processus. Il faut définir les objectifs. Ce que tu veux gagner en étant, en allant sur Facebook. Qu'est-ce que tu veux partager? Tu veux te faire combien d'amis? Ou qu'est-ce que tu veux partager? Quel message tu veux partager avec les gens? C'est dans cet objectif, dans cette vision-là, que tu sauras comment mettre des messages sur ta page, sur ton compte Facebook et tout. C'est l'erreur que plusieurs personnes ne font pas. Ils vont sur Facebook parce que tel ami m'a dit qu'il utilise Facebook et ça marche bien. Tu poses une photo, tu fais son live, tu fais ses bonnes lives, mais ce ne sont pas des lives. Ce matin, on disait, quand tu fais quelque chose, ne dis pas que tu veux que forcément 100 personnes soient impactées pour que tu sois heureux. Même moi, j'ai l'habitude de dire, même quand une seule personne est impactée, ça me suffit largement. Parce que cette personne a remarqué un changement dans sa vie. Du coup, il faut vraiment vraiment savoir ce que nous voulons, ce que nous voulons faire dans les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux regroupent plein d'opportunités. Mais attention, quand vous ne faites pas une bonne utilisation, ça se devient un danger pour vous, comme ma professeure l'a dit. Donc, déterminez les réseaux sociaux, connaissez-les avec leurs objectifs, leur utilisation, ce que vous voulez avoir d'eux, et après vous inscrivez. Est-ce que quelqu'un peut me citer les différents réseaux sociaux sur lesquels ou les réseaux sociaux qui vous connaissent? Une fille de préférence à ce que les réseaux sociaux, je suis sûre que tout cela sort sur les réseaux sociaux. Quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés aujourd'hui? Bon, mais donc, c'est pas super.
Salut. Bon, en fait, j'ai été un peu déçu par rapport à la contribution de tout un chacun. Ils ont beaucoup parlé des réseaux sociaux, de Facebook, WhatsApp, etc. Mais sans mentionner LinkedIn, ça m'a vraiment choqué. Parce que moi, personnellement, mon premier contrat de développeur d'application externe avec une entreprise aux États-Unis, je l'ai eu en 2013. Et ça, c'était grâce à LinkedIn. Donc, du coup, si nous parlons de réseaux sociaux sans mentionner LinkedIn, ça ne va pas parler. Merci. Merci à toute personne qui a accepté la résolution de laquelle ils sont. Mais c'est pour cela qu'au début je disais qu'on doit vraiment connaître les différents réseaux qui existent et leur utilité. Dans la présentation de beaucoup, vous avez parlé de WhatsApp comme réseau social. Mais WhatsApp n'est pas un réseau social. WhatsApp est une application de messagerie instantanée. WhatsApp, Messenger, Imo. Imo, c'est une application de messagerie. Et la belle vidéo, même Viber. Les réseaux sociaux, essentiellement, que nous connaissons, c'est Facebook, qui est le premier, qui est le réseau le plus utilisé au monde. Ensuite, il y a Twitter, il y a Instagram, il y a LinkedIn, que le confrère vient de citer, il y a Google+, il y a YouTube, il y a Snapchat. Il y a Viadeo, et ça ce sont des réseaux professionnels, surtout LinkedIn et Viadeo. Snapchat c'est pour partager les présentations au boulot. YouTube c'est pour mettre nos vidéos et tout. Google c'est également pour partager des informations. C'est ça, ça me permet de gagner plus de temps. On n'est pas obligé de se rencontrer tout le temps pour faire un travail de boulot, mais avec ces réseaux. Donc il faudrait qu'on fasse la différence entre Messenger, Viber, Imo et WhatsApp. Ce ne sont pas des réseaux sociaux, mais des applications de messagerie instantanée. Comment on peut définir la il y a aussi Telegram qui est bien utilisé aujourd'hui. Il y a Telegram qui est messagerie instantanée. Je vous raconte, je vais vous raconter un petit exemple, et en basant sur ce que le grand-père vient de dire. Cette année, je suis MWF. Quand j'étais aux États-Unis, je devais, puisque je suis média, moi, j'ai fait mon immersion avec une grande télévision à KCCI. Et après, avec ma performance, je dis non, mais vraiment, il y a la télévision de Iowa même. Et il y a ma famille d'accueil, la personne travaille à la radio locale d'Iowa. Moi, j'ai fait mon état, ma expérience à Iowa. Donc, elle m'a branché sur la télévision locale d'Iowa. Et vous savez par quel réseau social on m'a contacté? LinkedIn. Et toutes les personnes, tous mes contacts que j'avais fait aux États-Unis, on communiquait uniquement à travers LinkedIn. Et la dernière personne qui devait vouloir me faire un portrait par rapport à ce que je fais, avec une autre télévision qui s'appelle VOA. C'est WO19 Channel. Donc c'est une grande chaîne de télévision aussi. Il voulait que je vienne, puisque c'est la web TV, eux sont tellement poussés dedans pour que je puisse apprendre. Donc il voulait me connecter, c'est pas LinkedIn. Toutes les communications que je faisais, c'était pas LinkedIn. Et il me disait, LinkedIn, effectivement, si vous allez aux États-Unis, c'est le premier réseau social de professionnalisme. Quand ils vont vous contacter, c'est pas LinkedIn. Et ça, il faut le noter. LinkedIn, faut pas du tout négliger LinkedIn. Vous devez soigner votre image. En ce moment, supposons que je n'étais pas sur LinkedIn. Si ils ne communiquent pas, c'est LinkedIn. Tout ça là, ce n'est pas une histoire. C'est LinkedIn. Donc ça, c'est quelque chose de très important, ce que le rappel de LinkedIn. Maintenant, pour le moment, moi je vais vous poser une question. L'avènement des réseaux sociaux en Afrique, est-ce une opportunité pour nous ou bien une menace? Je vous laisse la question et l'ensemble des autres.
ça dépend de si tu veux que ce soit plus. Et que ça n'est pas positif, quand on fait un impact négatif. Lorsque les conseillers disaient que cela ne se pas pour avoir un impact négatif, mais c'est pour aider la population. Donc, l'impact, ça fait de ce que toi tu veux en faire avec. Si tu veux que ça t'aide positivement, pour ça, un impact négativement sur toi, à toi, c'est ça. Souvent, quel type de message tu fais? Quel type de message tu poses sur ta page Facebook? Supposons que je prends ton nom, je mets dans Google. Je clique ton nom. Quelle image j'aurai de toi à travers tes posts? Bon, sur Facebook, à travers ce que moi je publie, ça dépend de mes valeurs. Si je suis dans les associations, soit quand je suis parti en forum, je publie pour donner l'information. Et on aime la valeur que je veux induire à toute personne. C'est ce que moi j'ai compris. Je vais m'éviter tout à l'heure. Merci. Voilà, les élèves. Vous avez posé une question très pertinente. Est-ce que les résolutions. C'est ça? Est-ce une opportunité ou une menace pour nous? Voilà, je vais répondre directement en disant que c'est une menace. Et également une opportunité. Expliquez. Une opportunité pour ceux qui savent bien utiliser les réseaux sociaux et une menace parce que l'Afrique n'est pas pour l'instant adaptée à ces genres de réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une marge de la population qui est analphabète. Il y a une marge de la population qui méconnaît l'utilisation de ces réseaux sociaux-là. Et vous allez voir que moi personnellement, quand j'étais dans mon parcours étudiant et autre là, j'envoie tout ce que je vois, photos, je me lave, voilà, je prends un selfie, je veux laver, je me dis voilà, c'est bon, quoi, les chats, la bombe, bah. Mais quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, j'ai dit ah, ça là, ça peut pas me marcher. Et j'ai commencé à changer de mentalité. Et quand je veux pousser quelque chose, je réfléchis par deux fois. Avant de pousser, quoi que ce soit, parce que quand on va chercher Alexandre Atta, on ne va pas chercher de gauche à droite, je connais, est-ce que tu connais Alexandre Atta, non? On va aller sur Facebook d'abord, pour taper. Et qu'est-ce qui va sortir? C'est le jeune homme qui a cette fille dans la douche, ou bien celui qui vend. Donc, mais la plupart de nos jeunes n'ont pas cette réflexion-là, deux fois avant de publier. Quoi que ce soit. Et donc, je pense que, voilà, je reviens à la réponse, c'est également une menace et une opportunité. Merci. Merci beaucoup. Il y a deux dernières. Moi, c'est Xavier Mignaké, journaliste youtubeur. Je pense définitivement que les réseaux sociaux constitue une opportunité pour nous, pour Africains, par ailleurs dans le monde. Parce que le problème que vient d'évoquer le confrère, il n'est pas seulement, on va dire, spécifique au Togo ou à l'Afrique, c'est partout dans le monde. Quand vous sortez aujourd'hui sur la toile, vous allez voir des jeunes blancs aussi, qui posent une porte quoi, comme des Africains aussi. Maintenant, je pense que ça dépend du domaine d'activité dans lequel nous sommes, et de la vision. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes venus pour avoir la restitution, avoir des connaissances sur le leadership et tout. Le leader dans la communauté ne doit pas se comporter comme tout le monde. Parce que les réseaux sociaux, certains vont utiliser, par exemple, si je veux faire une carrière de comptable, par exemple. Mon ambition, c'est de devenir comptable dans une entreprise. Bon, je sors, je vais dans les soirées, je prends des photos et tout ça. Je ne pense pas que ça va me porter trop de préjudice. Mais si je veux être leader, si je veux inspirer les autres, il va falloir que je trouve, j'établisse des principes, des règles quant à l'utilisation que je fais des réseaux sociaux parce que c'est l'image que je renvoie. Comme on l'a dit, quand on coupe ton nom, on imagine juste voir ce que tu fais et en même temps, on t'attribuera.
on va dire, ta personnalité sans te poser des questions. Donc, c'est ce que je pense. Merci beaucoup. Madame Yannick, permettez-moi de vous présenter un peu. Le même banc qui souffre tout le monde est chaud pour le vice à chaud et froid pour celui qui a froid. Le même couteau qui sert à cuisiner à maman devient une menace pour elle lorsqu'elle se coupe les doigts. Donc c'est pour vous dire que, en réalité, les réseaux sociaux, excusez-moi, dépend de ce qu'on en fait avec. Et mais, ils ont déjà dit ça. Ce que je voudrais apporter comme élément nouveau est que je voudrais parler en tant que personne avisée. L'Afrique n'est pas encore préparée pour les réseaux sociaux avant son arrivée, proprement dit. Ce qui fait que si nous prenons la grande majorité des Africains, l'usage qu'ils en font des réseaux sociaux ne reflète pas du moins ce qu'il fallait faire avec. Je m'explique. Lorsque mon frère disait tout à l'heure que les Blancs font également ce que nous faisons, l'éducation avancée en Europe, c'est les gens avisés qui savent tirer le meilleur parti des réseaux sociaux. Et, excusez-moi, c'est ce qui n'est pas bien qu'on nous envoie souvent en Afrique. Et l'Africain est le premier consommateur. Et il consomme à tel point qu'il dépasse même celui qui lui est envoyé. Donc, je ne vais pas beaucoup parler, c'est juste pour nous dire que actuellement, les réseaux sociaux sont des menaces pour, sont une menace pour l'Afrique ou bien l'Africain. Pour le moment, c'est une menace du monde. Lorsque nous allons opérer du changement, passer à l'éducation, à la sensibilisation, nous pouvons maintenant préparer une génération future qui feront bon usage des réseaux sociaux à des fins utiles. Merci beaucoup. Merci. J'aime bien ce débat. On va se partager les expériences. Oui, il y a une main derrière, oui. Oui, c'est à l'heure d'aujourd'hui. Je vais te commencer. D'abord, les réseaux sociaux, c'est tout comme. D'abord, c'est pas nécessaire. Sans WhatsApp, qui dit que nous disons que c'est pas un réseau social, sans WhatsApp, peut-être que je ne serais pas en train de suivre cette séance, cette forum de Yannick Kourou 2018. C'est grâce à cette messagerie que j'ai eu l'opportunité là. Seulement, il revient à nous, Africains, de nous conscientiser, de nous sensibiliser en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux. Merci. Merci. Alors, je laisse la parole à Diane. Merci à toute personne qui a été interviewée. Il y a des pour, il y a des contre. Mais moi, personnellement, je ne considère pas les réseaux sociaux comme une menace. Les réseaux sociaux me présentent plus d'opportunités pour le monde. En tout cas, moi, j'ai eu plein d'opportunités à travers les réseaux sociaux. C'est tout cela, la peur de l'utiliser, c'est l'utilisation que nous en faisons. D'abord, il faut les connaître. Après la connaissance des réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser. C'est très important. Souvent, quand j'interviens dans certains forums, je mets l'accent sur l'utilisation que font les filles des réseaux sociaux. Souvent, c'est elles qui sont victimes de ça. Et quand moi personnellement, quand je vais sur ma page, quand quelqu'un m'envoie une vidéo sur Facebook, je vais sur le profil de la personne, je fouille. D'abord, si tu es nouveau sur WhatsApp, tu l'acceptes pas, pour commencer. De deux, sur Facebook, oui. Si tu es nouveau, si tu viens juste créer ton compte, moi je n'accepte pas ta demande. De deux, je vérifie le genre de message que tu partages. Moi, à chaque fois, je soigne mon image. Comme on l'avait dit, aujourd'hui nous sommes à l'heure du quand vous allez demander de l'emploi quelque part, dès que vous quittez le bureau de votre employeur, il tape votre nom sur Facebook ou sur Google. Et déjà quand il tape sur Google, vous sortez. Si la personne par exemple est sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et consort, il enlève tout et c'est à lui de cliquer sur les pages qu'il veut et voir le prêt votre profil. Si, par exemple, le monsieur qui a dit quand il était étudiant, il faisait
si il n'avait pas fait des études de journalisme, s'il n'était pas devenu journaliste, il n'allait peut-être pas changer la finalité, il allait continuer ça. Et quand il ira demander de l'emploi, son emploi vous verra ça, il va dire non, cette personne n'est pas sérieuse, je ne peux pas l'empêcher dans mon procédé. D'où l'importance. Souvent on a un problème, quand on ne connaît pas quelque chose, on a un problème de nous, on ne veut pas savoir. Moi, quand je ne connais pas, je demande. Mais aussi tu te moques de moi, je sais que ça va me servir plus tard. Moi, ce que je dirais aux gens, quand vous entendez parler dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous pouvez poser mille et une questions à vous. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, vous posez ça à vous, là, vous sortez ça. Demandez d'abord à vous, qu'est-ce que Facebook? Il vous dira utiliser Facebook. Comment utiliser Facebook? Il y a des vidéos sur YouTube qui nous amènent, qui nous montrent comment utiliser Facebook sur les réseaux. Si vous ne pouvez pas, si vous avez une connaissance, vous connaissez quelqu'un qui m'a écrit bien ces sujets, demandez-lui comment faire. Et également, lisez des bouquins, c'est très important. C'est en lisant qu'on apprend de nouvelles choses. Donc, moi, sincèrement, je ne pense pas que les réseaux sociaux sont une menace pour l'Afrique. Mais c'est vrai que ça va vite. Et l'Afrique, je ne sais pas si c'est la préoccupation, le monde va le comprendre. Je ne sais pas si la recommandation. Du coup, sur les réseaux sociaux, ça va vite, ça va très vite. Et il faut savoir s'adapter. Et même si déjà vous considérez que les réseaux sociaux sont une menace, nous allons rester bien. Je sais pas. Moi, en union, ce que je vois, de la manière dont le monde bouge, c'est vrai que nous sommes en retard. Sans les réseaux sociaux, on ne peut pas être au passé, on ne peut pas se mettre à jour au fur et à mesure. Donc les réseaux sociaux sont. Merci beaucoup, ma collègue. Je veux juste dire ceci. Elle a tout dit. Et quelqu'un dit, c'est un couteau à double tranchant. Aujourd'hui, ma vie, avec les réseaux sociaux, je crée ma propre réputation. Partout dans le monde, il faut juste appeler Roland Asiata, ceux qui ont leur portable. J'ai créé ma propre e-réputation. Et c'est grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec l'Internet, vous n'avez pas besoin d'aller acheter une maison de marketing. Avec toutes vos entreprises, vous-même, vous faites votre propre promotion. Et quand ça commence à grandir, vous voulez que ça soit de. Voilà, vous pouvez payer une maison. Aujourd'hui, nous avons les managers qui font la promo à travers l'internet. On a les e-commerce. Mais attendez, c'est toute une opportunité. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Et là, je reviens chez vous, les filles. Arrêtez de vous faire filmer par vos petits là. Dans tes choses-là, dans ton parcours-là. Peut-être que ce petit poste
on demande votre compte Twitter, mon compte Facebook. Et quand vous partez là, on fait fouille là pour voir ce que vous êtes. Moi, quand je, cette année, avant d'avoir mon poste au niveau des Nations Unies, la personne, mon mentor qui devait être avec moi, c'est un Italien mais qui réside en Allemagne. Avant, on ne sait pas, on ne se connaît pas, on s'échangeait par mail. Avant que je les descende, ils sont venus me chercher au niveau des Nations Unies, au siège en Inde. Mais ils ont déballé des choses sur moi, même j'étais ébahie. Des solutions que j'avais faites, j'avais oubliées. Monsieur avait perdu dans ma dîner, tout ça là. On me montrait ça quoi. Tout ce que je faisais là, c'était sorti comme ça. C'est là que j'ai vu l'importance des réseaux sociaux. Donc ne faut pas du tout blaguer avec les réseaux sociaux. Utilisez les réseaux sociaux pour votre propre bien. Surtout les WhatsApp pour des lignes, tcha-tcha-tcha, oubliez ça. Quand ça vient dans le portable là, demande-toi de faire autocritique. Demande-toi si l'information qui est arrivée dans mon smartphone là, est-ce que c'est une vraie information. Mais cher, moi j'ai eu une formation, je peux prendre ta photo, je tourne comme je veux. Je peux faire n'importe quoi avec ta photo et même faire une vidéo avec. Une seule photo que tu mets, je prends ta photo, je la transforme si tu te vois. Hein. Tu vas être étonné. Donc, arrêtez de faire de l'utilité avec les réseaux sociaux. Utilisez les photos à bon escient pour faire votre promotion, pour faire votre. Faire grandir votre entreprise et surtout vos études. Il a parlé de quelqu'un. Moi, je suis aux États-Unis. Quand tu poses une question là, ils vont pas te répondre. Ils vont te dire Google it. Va dans Google et Google it. On te répond pas une mail, c'est dans Google. Mais ça, dans Google et après, tu viens, on va parler. C'est important. Combien de nous font des recherches au moins une seule fois sur une thématique à dans Google? Combien de nous? Même pour venir dans cette salle-là, combien de nous ont fait une petite remarque ou recherche sur Miami avant de venir? Combien? Je ne vois que quelques doigts. C'est pas normal. Merci.